Pour Margaret Thatcher, le parti de l'ANC en Afrique du Sud était une organisation terroriste. L'ex-premier ministre britannique, décédé lundi à Londres à l'âge de 87 ans, s'était opposé à des sanctions contre le régime d'apartheid. Elle prenait ainsi le contre-pied de l'opinion publique britannique qui manifestait pour la libération de Nelson Mandela. L'ANC en a fait les frais. Non seulement elle ne soutenait pas les sanctions contre le gouvernement d'apartheid, mais elle estimait aussi que l'ANC était une organisation terroriste, ce qui est malheureux. Cependant, grâce à l'énorme soutien que nous avons reçu du peuple britannique, elle a été forcée de nous reconnaître, même si elle n'était pas d'accord avec nous. Cela ne nous apporterait rien de lui en vouloir. Nous avions des vues qui divergeaient, comme c'était le cas avec le gouvernement d'apartheid, mais au bout du compte, nous avons réussi à créer l'unité avec eux. Le parti de Nelson Mandela ne lui garde pas rancune. Il reconnaît même en elle une dirigeante d'exception qui a marqué le XXe siècle. Elle a laissé une empreinte dans le monde, pas seulement en Afrique du Sud. Elle a marqué le monde comme étant la première femme Premier ministre, très sûre d'elle, avec des points de vue très tranchés. Sa présence a été ressentie à travers le monde. Le Commonwealth, l'organisation rassemblant les anciennes colonies anglaises, reprochait à Margaret Thatcher sa position vis-à-vis de Pretoria et de son régime pro-apartheid. Un rejet que l'organisation a manifesté en 1961 en excluant l'Afrique du Sud de ses membres.